Alors, bonjour à tout le monde. Dès qu'on regarde un bulletin de nouvelles aujourd'hui ou qu'on ouvre un journal, on réalise que les choses que Dieu avait annoncées, ses prophéties, se réalisent. Et de plus en plus vite. Nous entrons, et on peut même dire nous sommes entrés, dans des temps de turbulence, dans des temps de grande turbulence. Les économies à travers le monde se fragilisent d'un pays à l'autre, même sur le plan mondial. Chômage augmente, faillite individuelle, faillite d'entreprise, et même là, faillite de gouvernement. Les gens, devant tout ça, sont inquiets, à juste titre aussi. Et nous, dans l'Église, nous savons que ces choses-là devaient arriver. Alors, il ne faut pas s'inquiéter outre mesure. Par contre, il faut avoir la bonne vision, il faut être proche de Dieu. Mais les gens autour sont inquiets, se demandent qu'est-ce qui arrive. Ils se demandent comment les choses vont tourner. Quant à nous, dans l'Église, on ne doit pas s'inquiéter, mais on n'est pas immunisé non plus par rapport aux problèmes qui sont autour de nous. On vit dans ce monde-là. Et nous savons que le système va s'effondrer, surtout dans nos pays israélites, mais également dans les autres pays aussi. Parfois, les gens nous disent « Quand pensez-vous que ça va arriver? » ou « Comment ça va arriver? » On ne peut pas dire vraiment « Quand? » On sait qu'on est entré dans cette période-là. Est-ce qu'il y aura des petits temps d'accalmie ou est-ce que c'est vraiment le début de la grande dégringolade, là où on est entré? À suivre, on verra. Mais de toute façon, Dieu dit « Soyez prêts, hein? » Soyez prêts comme si c'était rendu. On ne sait pas quand, on ne sait pas à quelle vitesse. Mais ça peut être aussi le commencement de la fin, comme je vous dis. Chose certaine, c'est une bonne chose pour nous. Parce que je remarque quelque chose. Ça nous réveille. Ça nous réveille. Ça nous rend conscient qu'on est rendu à une époque qui était annoncée d'avance, que Dieu nous a donnée. C'est parce que ça nous a été donné qu'on peut le comprendre. Maintenant, la question qu'on se pose parfois, où est-ce qu'on peut se tourner pour avoir de l'aide? Où est-ce qu'on peut se tourner pour savoir quoi faire ou pour être encouragé dans ces circonstances-là? Je vais vous raconter aujourd'hui une histoire vécue, une histoire réelle, celle d'un serviteur de Dieu. Serviteur de Dieu qui a vécu, laissez-moi préciser, dans une situation très identique à celle où nous entrons maintenant. Contexte à peu près pareil. Et cet homme-là a vu venir la chute de sa nation. Il le savait. Il avait même la responsabilité de la part de Dieu de l'annoncer, la chute de la nation. Alors, il était là, il était dedans, il l'a annoncé, il l'a vu arriver, il l'a vécu. Il a vu cette chute-là de sa nation et il est passé à travers. Il a réussi à passer à travers par la puissance de Dieu. Alors, c'est pour ça que cette expérience-là est tellement encourageante pour nous, puis que je veux vous la donner aujourd'hui, au moment où nous sommes entrés dans des grands bouleversements sur la scène mondiale. L'homme dont je vous parle, c'est Jérémie, le prophète Jérémie. Et je tire l'essentiel du message que je vous donne aujourd'hui d'un message de M. Rod McNair au quartier général, un message que j'ai trouvé superbe et vraiment très encourageant. Et je tire l'essentiel de mon message de ça aujourd'hui, je vous le donne dans mes mots, parce que je dis, il faut que nos gens sachent et reçoivent ce message-là comme encouragement. Vous savez, Jérémie a expérimenté ce que c'est que de survivre au temps de la faim, parce qu'il a survécu à la faim de sa nation et à la destruction de Jérusalem. Je dis le même contexte que nous aujourd'hui, comme nous également. La vie de Jérémie, ça a été quoi? Ça a été parfois des temps de grands bouleversements. Il a connu plusieurs souffrances, c'est notre cas aussi. Il a appris à travers ça à compter sur Dieu, ce que nous, on doit apprendre. Nous ne le savons pas assez et on doit continuer de l'apprendre, à compter sur Dieu de façon totale. Et Dieu l'a utilisé et Dieu lui a répondu. D'abord, pour préciser quelque chose, Jérémie est né dans la ville d'Anatote, au nord de Jérusalem. On voit ça dans les textes. Et au moment où Jérémie est né,
C'était encore le règne du méchant roi Manassé, qui avait introduit des pratiques horribles dans la nation d'Israël, y compris le fait d'offrir des enfants en sacrifice. Alors ça, c'est le contexte dans lequel il est né. Et Manassé arrivait à ce moment-là à la fin de son règne de 55 années de règne mauvais sur la nation d'Israël. Dans sa jeunesse, ça veut dire ceci. Il y avait des prophètes avant lui, Jérémie. Et Jérémie avait entendu parler des prophéties concernant la destruction éventuelle de Jérusalem et le fait que la nation de Juda allait être amenée en captivité. Ça, il a vécu ça et il a entendu ces choses-là. Il a grandi avec ça à l'esprit, si vous voulez. Il savait ces choses-là. Comme nous, ça fait des dizaines d'années pour la plupart d'entre nous que l'Église annonce quoi? La chute de nos nations israélites. C'est pas la première fois qu'on en entend parler. C'est pas la première fois qu'on le lit dans la Bible quand on fait nos études bibliques. Ça fait des dizaines d'années. Même chose que Jérémie. Puis ça, je fais la comparaison aussi entre lui et nous. M. Armstrong a parlé de ça il y a plus de 70 ans, quand on fait le décompte, là, depuis que M. Armstrong a commencé à parler. Jérémie a prêché pendant longtemps aussi, vous allez voir tantôt. Le scénario est semblable, est vraiment comparable. Il y a un roi de Juda qui est venu au trône quand il était tout jeune, au moment où Jérémie vivait. Il s'appelle Josias. Josias est venu sur le trône de Juda, il avait 8 ans. Et Jérémie avait à peu près la même âge que Josias, donc ils ont grandi ensemble, si vous voulez. Jérémie 1. Allons dans Jérémie chapitre 1. Jérémie chapitre 1. Et on va lire à partir du verset 1. Verset 1 à 3. Jérémie 1, verset 1 à 3. Parole de Jérémie, fils de Hilkija, l'un des sacrificateurs d'Anatote, dans le pays de Benjamin. La parole de l'Éternel lui fut adressée au temps de Josias, fils d'Amon, roi de Juda, la 13e année de son règne, et au temps de Joachim, fils de Josias, roi de Juda, jusqu'à la fin de la 11e année de Sédécias, fils de Josias, roi de Juda, jusqu'à l'époque où Jérusalem fut amenée en captivité au 5e mois. Ici, c'est le résumé de ce que je viens de vous donner, les années. On va voir les rois tantôt, hein, en cours de route également. Alors, verset 4 maintenant, 4 à 6. « La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. » Et à ce moment-là, Jérémie était à la fin de l'adolescence. « Et avant que je t'aie formé dans le ventre de ta mère, » c'est Dieu qui lui parle, « je te connaissais. Et avant que tu sois sorti du sein, je t'ai consacré. Je t'avais établi prophète des nations. » Prophète des nations, nation d'Israël et nation de Juda, les deux familles. « Je répondis, « Ah, Seigneur, voici, je ne sais point parler, car je suis un enfant. » Alors, on voit par ça qu'il était tout jeune, au moment où Dieu lui a donné la mission qu'il lui a confiée. Verset 7, « Et l'Éternel me dit, « Ne dis pas, je suis un enfant, car tu iras vers tous ceux auprès de qui je t'enverrai, et tu diras tout ce que je t'ordonnerai. » Ça, ça veut dire, je vais être avec ta bouche, un peu comme il avait dit à Moïse. « Sois pas inquiète, vas-y, moi je vais être avec toi. » Et son message avait deux volets. C'est un message d'abord de repentance par rapport au mal qui se commettait dans le pays. « Changez, sinon l'Éternel va intervenir et vous allez souffrir. » Même chose qu'aujourd'hui. Le message qu'on annonce, « Changez, sinon il y a des calamités qui vont s'abattre sur nos pays et sur le monde. » Et l'autre partie de son message, c'est qu'il annonçait que si Juda ne se repentait pas, que Juda allait tomber. Jérémie 2, verset 7, juste un peu plus loin. Jérémie 2, verset 7 et 8. Jérémie 2, versets 7 et 8. « Je vous ai fait venir dans un pays semblable à un verger. » Et Dieu peut nous dire la même chose à nos nations israélites aujourd'hui. « Pour que vous mangiez le fruit des meilleures productions. Mais vous êtes venus et vous avez souillé mon pays. Et vous avez fait de mon héritage une abomination. » Les sacrificateurs n'ont pas dit où est l'Éternel. Autrement dit, les bergers, les gens responsables au niveau religieux n'ont pas amené les gens à connaître le vrai Dieu. Les sacrificateurs n'ont pas dit où est l'Éternel. Les dépositaires de la loi ne m'ont pas connu, n'ont même pas connu le vrai Dieu. Les pasteurs me sont infidèles.
Ils disent qu'on observe n'importe quel jour et non pas le sabbat. Qu'on célèbre Noël et les Halloween et ces choses-là et non pas les fêtes que Dieu a décrétées dans sa Bible. Les prophètes ont prophétisé par Baal et ils sont allés après ceux qui ne sont d'aucun secours. Alors, les chefs religieux d'aujourd'hui, ils ont la Bible. Ils l'ont, la Bible, la même Bible que nous. Seule exception, c'est qu'ils ne l'enseignent pas. C'est ce que Dieu le mentionne ici. Verset 19, même chapitre. Ta méchanceté te châtiera et ton infidélité te punira. Tu sauras et tu verras que c'est une chose mauvaise et amère d'abandonner l'Éternel ton Dieu et de n'avoir de moi aucune crainte, dit le Seigneur, l'Éternel des armées. Les gens à ce moment-là, comme aujourd'hui, parlaient beaucoup de Dieu. Beaucoup de gens parlent de Dieu énormément, mais ne le respectent pas et ne mettent pas en pratique ce que Dieu demande de faire. C'est la seule différence, sauf que ça fait toute la différence. C'est le contraire de craindre Dieu, c'est le contraire d'aimer Dieu, c'est le contraire de le servir. Verset 34, un peu plus loin, verset 34 et début du verset 35. « Jusque dans les pans de ton habit se trouve le sang des pauvres innocents. » Que tu n'as pas surpris faisant infraction. Malgré cela, tu dis, oui, je suis innocente. On n'est pas responsable. On ne pêche pas. Les gens disent ça. Et un des péchés à l'époque, comme j'ai mentionné tantôt, c'était de sacrifier ouvertement des enfants, de mettre des petits-enfants à mort pour les offrir à leur Dieu. C'est ce qui était fait à l'époque. Comme aujourd'hui. Depuis 1973, on estime qu'aux États-Unis seulement, on a dépassé les 50 millions d'avortements. On a offert des victimes innocentes au faux Dieu. Il y a un parallèle, il y a beaucoup de parallèles même entre la société de Jérémie et notre société aujourd'hui. Jérémie 5, verset 1. Allons plus loin. Jérémie 5, verset 1. « Parcourez les rues de Jérusalem, regardez, informez-vous, cherchez dans les places. » S'il s'y trouve un homme, s'il y en a un qui pratique la justice, un qui s'attache à la vérité, et je pardonne à Jérusalem. Vous, Dieu dit à ce moment-là, est-ce qu'il y a quelqu'un, est-ce qu'il y a un seul homme, est-ce qu'il y a un seul être humain qui cherche à vivre selon mes lois, qui me cherche vraiment, qui pratique la justice? Il n'y en avait pas. La même chose qu'aujourd'hui dans nos nations. Il y en a quelques-uns, mais parce que Dieu les a appelés. Et parce que Dieu leur a donné de pouvoir changer, mais de nous-mêmes, jamais nous ne l'aurions fait. Dieu peut dire la même chose de nos sociétés. C'est une déclaration forte à la société de Jérémie, mais à la nôtre aujourd'hui également. Si Dieu n'était pas intervenu pour appeler un tout petit troupeau maintenant pour préparer la libération de l'humanité, il n'y aurait personne qui parlerait du vrai Dieu ou qui lui obéirait ou qui essaierait de lui obéir. Versets 2 et 3. Même quand ils disent « L'Éternel est vivant », c'est faussement qu'ils jurent. Éternel, tes yeux n'aperçoivent-ils pas la vérité? Tu les frappes et ils ne sentent rien. Tu les consumes et ils ne veulent pas recevoir instruction. Ils prennent un visage plus dur que le roc. Ils refusent de se convertir. Ils refusent de se convertir. Dans la société, au temps de Jérémie, Dieu a multiplié les problèmes pour eux. Dieu a multiplié les calamités. Est-ce qu'il y a eu des changements réels? Non, il n'y a pas eu de changement réel. Comment est-ce qu'on peut comparer ça à notre société aujourd'hui, maintenant? Rappelez-vous, 11 septembre 2001, les avions, les tours jumelles aux États-Unis, la panique, le terrorisme, tel que Dieu avait annoncé dans Lévitique et dans Deutéronome. « J'enverrai sur vous la terreur. » si vous vous détournez de mes lois. Et ça a été un pas en avant majeur, cette étape-là. Ça a donné lieu ensuite à plusieurs guerres dans le monde. Et ça se continue comme conséquence. Alors, il y a eu cette grande calamité-là que Dieu a permis, qui a frappé aux États-Unis. Est-ce que les gens ont changé depuis ce temps-là? Absolument pas. Ah oui, ils ont changé. Il faut que je fasse une exception. Ils ont changé. Parce que pendant quelques semaines après la tragédie du 11 septembre 2001, les églises étaient pleines de toute confession. Les gens ont commencé à chercher Dieu, à essayer de comprendre ce qui se passait, à essayer de voir s'il existait un vrai Dieu, puis à essayer d'avoir de l'aide pour le futur. Parce que si ces calamités-là allaient augmenter, ils voulaient être capables de s'en sauver. Alors les gens sont allés
allègrement, fidèlement dans les églises pendant quelques semaines. Puis après, c'était terminé. Ça a été un feu de paille. Dans l'enlisement économique actuel, est-ce qu'il y a de la repentance? Est-ce qu'il y a un désir d'être honnête? Est-ce qu'il y a un désir de comprendre vraiment la source de nos problèmes puis de dire, on va changer des choses parce qu'on a mal agi, parce qu'il y en a qui veulent s'accaparer de tout et ne rien laisser aux autres? Non, il n'y en a pas de changement. Il n'y en a absolument pas. Nous sommes de plus en plus frappés comme eux l'étaient à l'époque. Et nos gens s'endurcissent. Ils ne deviennent pas plus ouverts à changer, mais ils s'endurcissent, comme au temps de Jérémie. Verset 7, un peu plus loin. Jérémie 5. « Pourquoi te pardonnerai-je? Tes enfants m'ont abandonné, et ils jurent par des dieux qui n'existent pas. J'ai reçu leur serment, c'est Dieu qui parle, mais dans le texte original, c'est plutôt « lorsque je les ai pleinement nourris, lorsque je les ai nourris abondamment. » C'est ça le sens. « Lorsque je les ai nourris abondamment, ils se sont livrés à l'adultère. » Autrement dit, plus ils ont été bénis, ma nation, plus ils se sont détournés de moi. Plus ils ont suivi leur voie et plus ils ont commis l'iniquité. Plus je les ai nourris abondamment, plus ils se sont livrés à l'adultère. Ils sont en foule dans la maison de la prostituée. Je n'ai pas besoin de vous faire de dessin pour vous faire comprendre ce qui se passe dans nos villes et même dans nos villages autour de nous actuellement en termes de prostitution et de tout ce genre d'abominations. Semblable, regardez bien l'exemple qu'il donne. Ceux qui ont grandi sur des fermes ou qui connaissent les animaux, vous savez ce que ça veut dire. Semblable à des chevaux bien nourris qui courent ça et là. Chacun hennit après la femme de son prochain. Et c'est ce qu'on voit partout autour. « Ne châtirai-je pas ces choses-là, dit l'Éternel, ne me vengerai-je pas d'une pareille nation? » Fornication, adultère, très répandu. Même chose aujourd'hui. Ajoutez à ça la pornographie sous toutes ses formes, qui est disponible n'importe où, même quand vous ne voulez pas, ça devient agressant parce que ça vous est jeté au visage, à tel point que il n'y a presque plus rien qu'on peut regarder à la télévision, sauf les bulletins de nouvelles, puis encore là, parfois, dans les annonces ou dans les publicités qui arrivent au milieu, c'est des images pratiquement pornographiques ou de violence ou de meurtre ou de tout ce que vous voudrez. C'est ce qu'on voit aujourd'hui. Il y a même une entreprise de jeux vidéo qui a lancé un jeu vidéo de viol virtuel. Ça vous donne une idée où on est rendu? Jusqu'où est-ce qu'on pourra aller? Jusqu'où est-ce qu'on pourra aller? Je pense qu'ils ont été forcés de retirer ce jeu-là après, mais ça, j'imagine que c'est revenu par la suite. Alors, notre société est rendue très loin, beaucoup plus loin qu'on peut l'imaginer. Surtout les gens de l'Église qui essaient d'être à part des façons de faire de la société, on s'en rend peut-être moins compte. Il s'agit qu'il y a des choses comme ça qui sortent pour nous montrer à quel point la pourriture s'est installée dans l'ensemble de nos sociétés. Jérémie 5, verset 11. « Car la maison d'Israël et la maison de Juda m'ont été infidèles, dit l'Éternel. Ils renient l'Éternel. Ils disent, ils n'existent pas, comme on voit dans nos sociétés. On publie de nombreux volumes. » Pour faire la preuve, soi-disant, que Dieu n'existe pas. C'est misérable, c'est pitoyable de voir ces choses-là. Ils renient l'Éternel, ils disent, il n'existe pas. Et le malheur ne viendra pas sur nous. Non, on ne souffrira pas. Ça a toujours bien été. On a déjà eu des crises économiques dans le passé. On a déjà eu des guerres dans le passé. Et ça s'est toujours réglé. Même ça l'a aidé l'économie quand on a eu des guerres. La récréation est finie. Les gens vont savoir qu'il existe un Dieu réel. Et quand ce Dieu-là annonce des choses arrivent lorsqu'on ne change pas. Et le malheur ne viendra pas sur nous. Nous ne verrons pas l'épée ni la famine. Ah non? On commence déjà à la voir. Au Canada, on approche le 900 000 personnes sur 30 millions. Presque 1 million de personnes sur 30 qui dépendent des banques alimentaires. Le pays qui était qualifié de grenier du monde. Jérémie les a avertis à l'époque. Nous, nous les avertissons encore aujourd'hui. Je reviens à Josias, ce roi-là qui est entré en fonction à 8 ans. Il a régné, en fait, pendant 31 ans. Il a régné pendant 31 ans. Et il a bien réagi à la prédication. Il a arrêté le culte des Baals. Il a arrêté le sacrifice des enfants. Il a éliminé ceux qui annonçaient la bonne aventure, les tireurs de cartes et ceux qui lisent dans les lignes de la main et tout ça.
Et il a rétabli la Pâque. Donc, il a bien fait. Mais aussitôt qu'il était parti, la nation d'Israël est retombée exactement comme elle était avant. Je vais vous dire pourquoi, c'est facile à comprendre. Parce que leur caractère n'était pas vraiment changé. C'était des changements de surface. Comme on ne peut pas venir à l'Église aujourd'hui avec des changements de surface. On peut être là un bout de temps, mais si c'est des changements de surface et que le cœur ne change pas, ça ne peut pas durer. Leur caractère n'avait pas vraiment changé. Et aussitôt qu'il y a eu ce changement, que le roi n'était plus là pour donner l'élan, on a retourné tout de suite dans les anciennes pratiques. Jérémie avait à peu près 40 ans à ce moment-là, que je vous parle. Après ça, après le roi Josias, il y a eu trois rois d'affilée sur une période de 11 ans et demi. Le premier, Shalom, a régné 3 mois. Je vais y revenir tantôt. Le deuxième, Joachim, il a régné 11 ans, lui. Le troisième, Joachin, il s'appelait aussi Jéconia, on va le voir tantôt. Lui a régné juste 3 mois aussi, ce qui fait le 11 ans et 6 mois, là. Jérémie 22, verset 11. Jérémie 22, verset 11. Jérémie 22 et le verset 11. Car ainsi parle l'Éternel sur Shalom, fils de Josias, roi de Juda, qui régnait à la place de Josias, son père, et qui est sorti de ce lieu. Il n'y reviendra plus, mais il mourra dans le lieu où on l'a amené captif, et il ne verra plus ce pays. Malheur à celui qui bâtit sa maison sur l'injustice. C'est un roi injuste. Et qui bâtit ses chambres par l'iniquité, qui fait travailler son prochain sans le payer, sans lui donner son salaire. Shalom était reconnu pour sa convoitise, pour pouvoir tout ramasser pour lui-même. Ça ne vous fait pas penser à des gens qu'on voit dans les premières pages de journaux de ce temps-là? Parfois des gens qui sont dans les gouvernements ou dans les grandes entreprises ou dans les entreprises de finances ou d'investissement et qu'on retrouve devant les tribunaux parce qu'ils se sont accaparés les biens des gens ou qu'ils ont été achetés. Shalom avait cette méchanceté. Il opprimait les petits et les pauvres. Comme certains dirigeants d'aujourd'hui, comme certains dirigeants d'entreprise, comme certains dirigeants financiers, comme les Madoff de ce monde. Vous connaissez l'histoire de ce monsieur aux États-Unis qui a volé pour plusieurs milliards de fonds de pension de petits investisseurs. D'accord, il est en prison aujourd'hui, mais où est l'argent? On n'a jamais retracé ça. On ne sait pas les choses qui ont été faites par la suite. Ça, c'est un de ceux qui a été pris. Et il a opéré pendant de nombreuses années au vu et au su d'un certain nombre, pour être capable d'avoir un système financier mauvais, voleur comme celui-là, et opérer. Ça a été la même chose ici au Québec, il y en a eu en Europe aussi, et c'est régulier. Shalom est mort en Égypte. Après ça, Joachim, Jérémie 22, verset 18. C'est pourquoi ainsi parle l'Éternel sur Joachim, maintenant, fils de Josias, roi de Juda. On ne le pleurera pas en disant « Hélas, mon frère, hélas, ma sœur », on ne le pleurera pas en disant « Hélas, Seigneur, hélas, sa majesté ». Pour vous donner une petite idée, c'est lui, Joachim, il détestait tellement Jérémie, puis il détestait tellement les avertissements que Jérémie donnait au peuple et au roi de la part de Dieu, qu'à un moment donné, il a mis la main sur le livre qui avait été écrit par Jérémie, le livre de Jérémie à l'époque, il l'a coupé avec son couteau, puis il l'a jeté dans le feu. Sauf que Dieu a dit à Jérémie, écris-en un autre. Il a refait un autre par après. Mais c'est pour vous donner une idée de la réception qui était réservée aux paroles de Jérémie, le serviteur de Dieu, à ce moment-là. Il a eu à vivre, lui, avec tous ces personnages-là. Là. Pendant ce temps-là, il continuait d'annoncer le même message, puis il vivait dans ce contexte-là. Il n'était pas aimé au plus haut point, là. Il a mal fini, notre ami Joachim, juste 19, verset 1, « Il aura la sépulture d'un âne. » Alors, ce n'est pas très, très élogieux comme commentaire. Verset 21. « Je t'ai parlé dans le temps de ta prospérité, mais tu disais, je n'écouterai pas. » Et Dieu a parlé à nos nations dans le temps de notre prospérité incroyable par rapport au reste du monde, nous, les pays israélites. Mais nos pays n'ont pas écouté. Ça décrit notre époque. D'ailleurs, en passant, dès la troisième année de son règne, Joachim a été rebelle à Nebuchadnezzar, qui était
en puissance à ce moment-là. Et Nebuchadnezzar a envoyé son armée, ils ont attaqué Jérusalem, ils ont fait un siège autour de la ville de Jérusalem. C'est à ce moment-là, d'ailleurs, lors de ce siège-là, que Daniel et ses amis ont été amenés à Babylone. C'est à ce même époque-là. Je vais y revenir tantôt à Daniel. Alors, vous imaginez, là, Jérémie, il annonce ces mauvaises nouvelles-là, il se fait détester, ça va pas bien dans la nation, à tel point qu'à un moment donné, l'armée de Nebuchadnezzar entoure la ville de Jérusalem, et lui est là. Il faut qu'il continue à faire son travail. Pas tellement confortable, pas tellement reposant non plus, pas tellement sécurisant. Et ça vient à notre époque, parce que les armées vont entourer Jérusalem avant longtemps. Ça vient encore. Après Joachim, vient l'autre roi, Joachin, avec un N. C'est lui qu'on appelait aussi Jéconia. Lui a régné pendant 3 mois, aussi méchant que les autres. Et là, il y a eu un autre siège de Jérusalem. Nebuchadnezzar est revenu encore. Jérémie 22, verset 24, juste un peu plus loin, versets 24 à 26. « Je suis vivant, dit l'Éternel, quand Jéconia, fils de Joachim, roi de Juda, serait un anneau, à ma main droite, je l'arracherai de là. Je te livrerai entre les mains de ceux qui en veulent à ta vie, entre les mains de ceux devant qui tu trembles, entre les mains de Nebuchadnezzar, roi de Babylone, entre les mains des Chaldéens. » Alors, Dieu avait prononcé la sentence sur lui aussi. À ce moment-là, Jérémie était au début de la cinquantaine. Okay? Quand on fait le décompte des années, il était autour de 50 ans. Et continuait toujours à annoncer la même chose. Ça faisait une trentaine d'années. Pensez-y, là. Ça faisait une trentaine d'années, dans toutes ces circonstances-là, que Jérémie continuait à prêcher le même message. Un peu comme nous autres. Il y a des gens parmi nous qui avons entendu et suivi le message à partir de M. Armstrong et par après maintenant M. Meredith et qui continuons, qui avons entendu le même message et qui continuons. Arrivons maintenant au dernier roi de Juda. On arrive au dernier roi sur Juda, c'est-à-dire Sédécias. Méchant aussi. 11 ans de règne. Allez, gardez votre place dans Jérémie, mais allons dans 2 Chroniques 36. 2 Chroniques, chapitre 36. Alors, Sédécias, dernier roi de Juda. On va commencer à lire au verset 11. 2 Rois 36, verset 11. Sédécias avait 21 ans lorsqu'il devint roi. Et il régna 11 ans à Jérusalem. Il fit ce qui est mal aux yeux de l'Éternel, son Dieu, et il ne s'humilia point devant Jérémie, le prophète. Donc, il ne voulait pas entendre parler du prophète ni de son message, qui lui parlait de la part de l'Éternel. Il se révolta même contre le roi Nebuchadnezzar. Il s'est révolté contre Nebuchadnezzar, qui l'avait fait jurer auparavant par le nom de Dieu. Et il raidit son cou, il endurcit son cœur au point de ne pas retourner à l'Éternel, le Dieu d'Israël. Et regardez, parce que le roi faisait ça, regardez ce que la nation faisait avec ses chefs, verset 14. « Tous les chefs des sacrificateurs et le peuple multiplièrent les transgressions selon toutes les abominations des nations, et ils profanèrent la maison de l'Éternel qu'il avait sanctifiée à Jérusalem. » Ça n'allait pas bien. Jérémie se trouvait encore dans une position où il annonçait la vérité de Dieu, les lois de Dieu, à un peuple et à un roi qui le détestait et qui multipliait les transgressions qui s'en allaient complètement dans l'autre sens. Il devait se sentir assez seul à plusieurs moments donnés. Comment il a dû se sentir là, dans ce contexte-là? Les conditions empiraient, pas à peu près, beaucoup, beaucoup. Les transgressions des lois se multipliaient, comme on voit dans la société actuellement. Les méchancetés se répandaient partout et à tous les niveaux de la société. Comme on voit aujourd'hui, les scandales, la corruption, ça fait les premières pages des journaux là, régulièrement, malheureusement. C'est triste à voir. Mais lui devait continuer sa mission, continuer à prêcher le même message envers et contre tous. Il n'y avait pas le choix. Versets 15 et 16, même chapitre. « L'Éternel, le Dieu de leur père, donna de bonne heure à ses envoyés la mission de les avertir, car il voulait épargner son peuple et sa propre demeure. » Dieu a toujours donné toutes les chances possibles à Israël, jusqu'au bout. Mais quand c'était fini, c'était fini. Et c'est ce qu'on doit faire.
Mais ils se moquèrent de ses envoyés, des envoyés de Dieu. Ils méprisèrent ses paroles et se raillèrent de ses propos jusqu'à ce que la colère de l'Éternel contre son peuple devienne sans remède. Et une fois que la colère de Dieu, elle est sans remède, il n'y a plus de retour. Il n'y en a plus de retour en arrière. Et là, ce qui est arrivé, vous pourrez le lire vous-même, là ensuite, ça a été l'horrible destruction de Jérusalem à cause de leurs péchés. Et les gens ont enduré des martyrs incroyables. C'est pour ça, vous pourrez aller voir les lamentations de Jérémie quand il décrit ce qui est arrivé à l'intérieur de la ville de Jérusalem où même des gens faisaient cuire leurs enfants parce qu'ils n'avaient plus rien à manger et tout ça. Jérémie a assisté à ces choses-là, des choses qui se produisent lorsqu'il y a l'invasion d'une armée comme ça et qu'on fait mourir les gens de faim à l'intérieur des murailles. Alors ça a été le dernier siège de Jérusalem, ou la dernière fois que l'armée de Nabuchodonosor est venue à Jérusalem. Là, à ce moment-là, Jérémie avait à peu près 60 ans. Alors, il continue son travail. Il avait vu, au cours des années, les changements dans sa nation. Il avait vu l'immoralité augmenter. Il avait vu la déchéance s'installer. Il avait vu la méchanceté sous toutes ses formes. Grande ressemblance avec notre société actuelle, qui, elle, plonge aussi dans la déchéance. On parle de Dieu, beaucoup, beaucoup, mais sans lui obéir. Les gens ont une forme de religion, mais sans contenu. On parle beaucoup de religion, mais sans contenu. Plusieurs dirigeants fraudent, dirigeants dans tous les niveaux de la société, tous les aspects de la société. Plusieurs dirigeants fraudent, s'enrichissent malhonnêtement, se laissent corrompre et même courent après les présents, comme la Bible dit. Courent après la corruption parce qu'on cherche à se protéger, on voit les choses s'effondrer et on essaie de tirer le plus de billes possible du jeu. Les pauvres s'appauvrissent, les pauvres sont opprimés dans nos sociétés de plus en plus et ça va continuer. L'immoralité augmente, la criminalité augmente, l'injustice augmente. Vers qui les gens peuvent-ils se tourner aujourd'hui pour obtenir justice lorsqu'ils ont subi une injustice? Vers qui est-ce qu'ils peuvent aller? À qui est-ce qu'ils peuvent se confier? Sous plusieurs aspects, la vie de Jérémie, elle a été difficile. Et en même temps, il se souciait des gens. Il se lamentait sur le sort des gens, sur ce qui se passait. Il voyait les gens souffrir. Même chose qu'un personnage que vous connaissez, Lot. Qu'est-ce que faisait Lot à Sodome? Il se tourmentait chaque jour pour le mal qu'il voyait autour. Il trouvait ça horrible, malheureux. Et il était triste de voir les gens se faire mal entre eux, se faire mal à eux-mêmes en transgressant les lois de Dieu. Même chose pour Jérémie, ça le faisait souffrir. Même chose que pour nous, qui crions jour et nuit à Dieu, comme c'est écrit, que son règne vienne pour mettre fin aux misères puis aux douleurs humaines. Alors, sous plusieurs aspects, oui, la vie de Jérémie a été difficile. Mais il se lamentait sur la souffrance des gens et il voulait que ça cesse. Mais il y a plusieurs aspects énormément encourageants à tirer de la vie de Jérémie. Il a passé à travers, j'insiste là-dessus, il a passé à travers tout ça pendant toutes ces années-là. Et il a réussi. Et nous pouvons le faire. C'est là que c'est un exemple pour nous en même temps, qui avons des choses difficiles à vivre et qui allons devoir passer à travers des choses très, très éprouvantes. Jérémie a été fidèle, il a été persévérant et il a survécu au temps difficile. Voyons maintenant rapidement quelques leçons qu'on peut tirer et qui vont nous encourager beaucoup. Première chose, il nous faut considérer notre appel comme précieux. Il nous faut considérer notre appel comme précieux. Pas perdre ça de vue, s'il vous plaît. Considérer notre appel comme précieux. Jérémie 1. Jérémie chapitre 1. Et on va commencer à lire à partir du verset 4. Jérémie 1, verset 4. On l'a vu tantôt. La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Avant que je t'ai formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Et avant que tu sois sorti de son sein, je t'avais consacré. Je t'avais établi prophète des nations. Je répondis, mon Seigneur Éternel, je ne sais pas parler, je ne suis qu'un enfant. Autrement dit, qu'est-ce que Jérémie a dit? Il dit, je suis pas fait pour ce travail-là, je suis pas capable de faire ça. Demande à voir quelqu'un d'autre. Moïse a fait la même chose, n'est-ce pas? Moïse a fait exactement la même chose. Verset 7, un peu plus loin. Et l'Éternel me dit, « Ne dis pas, je suis un enfant, car tu iras vers tous ceux auprès de qui je t'enverrai, et tu diras tout ce que je t'ordonnerai. »
Ne les crains point, car je suis avec toi, et l'Éternel sera avec nous pour terminer l'œuvre. Pour te délivrer, dit l'Éternel. Puis l'Éternel étendit sa main, toucha ma bouche, et l'Éternel me dit, « Voici, je mets mes paroles dans ta bouche. Regarde, je t'établis aujourd'hui sur les nations et sur les royaumes, pour que tu arraches, que tu abattes, pour que tu ruines et que tu détruises, mais aussi pour que tu bâtisses et que tu plantes. » Pour que tu bâtisses et que tu plantes. Il y avait deux aspects à sa mission, à son travail. Bien sûr, il devait annoncer la destruction qui viendrait s'il ne changeait pas. Mais il devait annoncer aussi qu'après ça, il y aurait une période de construction extraordinaire. Il y aurait un monde nouveau qui allait venir. Jérémie savait que son travail allait être difficile, que la société allait tomber. Il le savait, comme vous et moi, on le sait. Et il savait qu'il aurait même un rôle à jouer dans cette chute-là. Il y aurait un rôle à jouer dans cette chute-là. C'était pas amusant. C'était pas amusant. Mais il a aussi vu là-dedans l'occasion donnée par Dieu d'être choisi par le gouverneur de l'univers pour accomplir quelque chose d'excessivement important, pour être parmi ceux qui allaient avertir la nation. Et certains ont prêté oreille. Il y a une preuve dans la Bible. Il y a sûrement beaucoup d'autres qui ont prêté oreille et dont la vie a été changée à cause du message de Jérémie. Il y en a un qui s'appelle Daniel. Je l'ai dit tantôt à quel moment Daniel a été emmené en captivité à Babylone. Mais Daniel avait entendu la prédication de Jérémie. Et Daniel, lui, avait choisi d'aller dans la direction où Jérémie disait d'aller, malgré que tout le monde faisait le contraire autour. Et malgré que Daniel se soit retrouvé dans un royaume complètement contraire aux choses de Dieu, il a continué à observer les lois de Dieu, même au risque de sa vie. Et Dieu l'a protégé, il en a sorti. C'est tellement encourageant. Alors voyez-vous, Jérémie s'est vu confier cette mission-là, et par le fait qu'il a annoncé ces choses-là, certains ont prêté oreille, et certains ont eu la vie sauve à cause de ça, et certains ont vu toute leur vie être changée. Alors Jérémie, oui, il y avait un gros travail, mais il a apprécié d'avoir l'occasion de participer à quelque chose d'extraordinaire. Comme vous et moi, on a l'occasion de participer à quelque chose d'extraordinaire. À préparer la solution qui va être amenée au problème de tous les êtres humains. C'est quelque chose de fantastique, la plus grande entreprise de toute l'histoire. La plus grande entreprise qu'on peut imaginer. Même que Jérémie a encouragé les captifs à ce moment-là. Parce que je reviens à ça, Jérémie était à Jérusalem. Mais il y avait des captifs qui avaient déjà été emmenés depuis plusieurs années à Babylone. Et Dieu lui a donné l'ordre d'écrire à ceux qui étaient en captivité, ceux qui étaient prisonniers là-bas, qui étaient esclaves à Babylone, et de les encourager. Et c'est ce que Jérémie a fait. Jérémie 29. Jérémie 29, verset 4. Jérémie 29, verset 4. Ainsi parle l'Éternel des armées, le Dieu d'Israël, à tous les captifs que j'ai amenés de Jérusalem à Babylone. Avez-vous remarqué comment c'est écrit? À tous les captifs que j'ai amenés de Jérusalem à Babylone. C'est parce que c'était sur l'ordre de Dieu qu'ils avaient été amenés en captivité, comme nos nations seront amenées en captivité sur l'ordre de Dieu. Bâtissez des maisons, habitez-les, plantez des jardins, mangez-en le fruit. Prenez des femmes et engendrez des fils et des filles. Prenez des femmes pour vos fils et donnez des maris à vos filles afin qu'elles enfantent des fils et des filles. Multipliez là où vous êtes et ne diminuez point. Voyez-vous les paroles d'encouragement que Dieu a inspiré Jérémie d'écrire pour ceux qui étaient en captivité à ce moment-là. Verset 7. Recherchez le bien de la ville où vous avez été menés en captivité et priez l'Éternel en sa faveur parce que votre bonheur dépend du sien. Voyez-vous? Alors, Dieu leur demande de faire certaines choses. Verset 10, un peu plus loin. « Mais voici ce que dit l'Éternel. Dès que 70 ans seront écoulés sur Babylone, je me souviendrai de vous et j'accomplirai à votre égard ma bonne parole en vous ramenant dans ce lieu. » Alors, Dieu, par Jérémie, leur a fait la promesse qu'il allait les ramener à Jérusalem après que 70 ans de captivité se seraient écoulés. Et Daniel avait gardé ça à l'esprit. Et Daniel a eu la compréhension de ces 70 années, on voit par les textes. Dans les jours sombres qui viennent, il y en a des jours sombres qui viennent.
faut pas oublier que nous sommes les appelés de Dieu et que nous avons de ce fait l'occasion de faire partie de ce que je pourrais appeler la voix qui apporte l'encouragement à ceux qui prêtent l'oreille. Et il y en a encore d'ici la fin qui vont prêter l'oreille. Et même quand la grande détresse sera commencée, il y en a qui vont prêter oreille une fois qu'ils seront rendus en captivité. Mais ils auront entendu. Ils se souviendront à ce moment-là, en terre étrangère, de ce qu'ils auront entendu grâce aux prières que vous faites, grâce au support que vous apportez à l'Église, grâce à l'intensité que vous mettez pour servir Dieu, pour développer son caractère, pour être des lumières autour de vous. Il y a un des plus beaux passages de la Bible qui a été écrit par Jérémie. Pourtant, Jérémie a passé plein de souffrances puis plein de temps difficiles. Il a écrit un des plus beaux passages de la Bible. Pourtant, lui qui vivait au milieu d'une société qui était en train de s'effondrer, qui tombait littéralement en pièces. Allez à Jérémie 29. Et il a écrit ça à des gens qui étaient en captivité. On est là, Jérémie 29, verset 11, pardon, verset 11 à 13. « Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur. » Voyez-vous, ce que Dieu veut au point de départ, c'est le bonheur des êtres humains. Ce n'est pas le malheur des êtres humains. Mais parfois, il n'y a pas le choix de laisser aller au malheur pour que les gens reviennent à leur bon sens. Comme parfois, des enfants doivent être corrigés pour revenir à leur bon sens, pour éviter leur malheur. Dieu est un père. « Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Vous m'invoquerez, vous partirez, vous me prierez et je vous exaucerai, vous me chercherez et vous me trouverez si vous me cherchez de tout votre cœur. Je me laisserai trouver par vous, dit Dieu. » C'est son but, de nous donner, de donner à l'humanité un futur, un espoir. Comme c'était son but à ce moment-là, après avoir puni la nation d'Israël, et la nation de Juda, d'un jour les ramener à Jérusalem pour leur faire du bien. C'était sur le plan physique, bien sûr. Mais dans les années qui viennent, c'est la même chose en ce qui concerne nos nations israélites. Vous savez, on entre, comme je l'ai dit, dans des temps incertains, humainement bouleversants. Et de plus en plus, les gens le voient, et de plus en plus, les gens le sentent. On le voit dans leurs propos aussi. Ils se demandent où tout ça va nous mener. Raison de plus pour apprécier notre appel, d'être cette voix d'encouragement, de faire partie de la solution. C'est difficile, ça va être difficile, mais ça va être possible. Et le résultat de ça, c'est un bonheur incroyable, pas juste pour nous autres, mais pour tous ceux qui sont concernés, pour ceux qui sont appelés maintenant, ceux qui vont être appelés après le retour de Christ et ceux qui vont être ressuscités plus tard. Vous savez, aujourd'hui, c'est pas le temps de reculer, c'est pas le temps de ralentir, c'est pas le temps d'avoir peur, même dans les circonstances qui vont venir. C'est le temps d'apprécier notre rôle et d'aller de l'avant, de foncer. Vous savez, vous pourrez aller voir, c'est marqué dans Matthieu 5, versets 14 à 16, « Vous êtes les lumières du monde. Vous êtes la lumière du monde. » Il faut que ce soit visible. Il faut que les gens puissent goûter autour. C'est leur espoir. Moi, je vous pose la question, à quel moment est-ce qu'une lumière est le plus utile? C'est quand il fait noir, quand il y a des ténèbres. Et plus on avance, là, plus les ténèbres deviennent épais dans la société autour. Plus les gens sont désespérés de voir ce qui se passe. Les ténèbres deviennent de plus en plus épaisses. Mais c'est à ce moment-là que notre lumière doit avoir le plus d'importance. Notre façon de vivre, notre façon d'encourager ceux qu'on peut encourager, de répondre à ceux qui nous posent des questions, pas d'essayer de convertir les gens, mais de répondre à ceux qui nous posent des questions. C'est surtout en temps de noirceur. Quand les choses vont devenir plus sombres dans nos pays, ça va être le temps plus que jamais que nos lumières d'espoir luisent. Ça va être le temps plus que jamais que nous continuions d'accomplir le but pour lequel nous avons été appelés. Individuellement, peut-être qu'on n'a pas l'impression qu'on peut changer grand-chose quand on regarde l'immensité de la Terre avec toutes les nations. Mais collectivement, nous faisons ce que Dieu dit, même sur le plan individuel, mais collectivement, nous faisons ce que Dieu dit et nous faisons le travail de Jérémie. Et c'est par la puissance de Dieu qu'on le fait. C'est par la puissance de Dieu qu'on le fait. Il dit, c'est pas par votre force, c'est par ma puissance. Nous sommes comme un rayon d'espoir lumineux pour l'humanité, si vous voulez. En des temps de crise, que ce soit des crises économiques, que ce soit des crises sociales ou autres,
ne soyons pas inquiets. Humainement, on est porté à s'inquiéter. Mais il faut s'habituer, quand l'inquiétude vient, de se tourner tout de suite vers Dieu. Puis dire, Dieu, tu m'as dit de ne pas être inquiet, parce que c'est toi qui vas prendre soin de moi. Aide-moi, par exemple, moi, à faire ma part. Montre-moi ce que j'ai à changer, puis aide-moi à changer. Dans Philippiens 4, verset 6, vous pourrez le voir, c'est écrit, « Ne vous inquiétez de rien. » Ne vous inquiétez de rien. Et c'est particulièrement vrai à l'époque où nous sommes entrés dans des temps de grande turbulence. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu. Et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs en Jésus-Christ. C'est une promesse fantastique pour les temps où nous entrons. Et il faut s'en rappeler, puis il faut la rappeler à Dieu. Des fois, quand on a des moments où on est inquiet, allons à genoux, puis disons à Dieu, « Père, tu nous as dit que tu nous donnerais ta paix, quelles que soient les circonstances. J'en ai besoin. Je me sens mal dans ce qui arrive, dans ce qui se passe. J'ai pas assez de force. Aide-moi. » C'est de lui seul que ça va venir. Comme pour Jérémie, ça a été de Dieu seul que c'est venu. Vous savez, notre meilleur investissement, là, c'est notre temps. Notre meilleur investissement, c'est le temps de prière puis d'étude pour s'approcher de Dieu. Notre meilleur investissement, c'est de continuer à se repentir pour changer ce que nous avons à changer et nous préparer, pour soutenir l'œuvre, pour pratiquer la justice de Dieu. C'est ça, être un serviteur de Dieu. Comme Jérémie faisait. Deuxième leçon, il y aura des sacrifices à faire. Il y aura des sacrifices à faire. Il y a un prix à payer. C'est un peu comme Winston Churchill disait dans le temps de la Deuxième Guerre mondiale, il y aura des sacrifices à faire, mais on va passer à travers. Il faut se préparer à ça, vous savez. On a été avertis, c'est pas la première fois. Et n'oubliez pas, nous avons été baptisés. En étant baptisés, nous avons pris un engagement. Un engagement de renoncer à tout s'il le faut, même à notre propre vie, pour suivre le Christ. Alors, si on garde ça à l'esprit, ça nous aide à ne pas amener d'autres choses comme plus important que Dieu, parce que c'est ça qui compte. Il y aura des sacrifices à faire. On a pris l'engagement, oui, mais il faut faire le pas de le respecter, cet engagement-là, que ce soit réel dans nos vies. C'est pas juste de décider une chose, il faut la faire ensuite. Il y a deux étapes, à chaque fois, il y a deux étapes. Jérémie 16, versets 1 et 2. Voyons un des sacrifices que Jérémie a dû faire. Pas le seul, mais un des sacrifices. Jérémie 16, versets 1 et 2. La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. « Tu ne prendras point de femme, et tu n'auras dans ce lieu ni fils ni fille. » Ça semblait dur de la part de Dieu de dire ça à Jérémie. « Toi, tu ne te marieras pas. Je ne veux pas que tu te maries. Je te confie un travail. » Est-ce que c'est parce que Dieu voulait priver Jérémie de quelque chose, de la joie d'avoir une épouse, puis la joie d'avoir des enfants? Non. Il y avait une autre raison derrière ça. Jérémie avait un travail à faire, et regardez le verset 3 et 4, la raison est là. « Car ainsi parle l'Éternel sur les fils et les filles qui naîtront en ce lieu, sur leurs mères qui les auront enfantées et sur leurs pères qui les auront engendrées dans ce pays. Ils mourront consommés par la famine, par la maladie. » On ne leur donnera ni larmes ni sépulture. Ils seront comme du fumier sur la terre. Ils périront par l'épée et par la famine, et leurs cadavres serviront de pâture aux oiseaux du ciel et aux bêtes de la terre. Voyez-vous, Dieu savait la réalité qui s'en venait. Dieu savait ce qui s'en venait. Et dans le fond, Dieu disait à Jérémie, « Écoute, Jérémie, dans ton cas, là, je ne veux pas que tu te maries, parce que ce sera plus facile pour toi de passer au travers, de faire le travail que j'ai à te faire faire également quand ces choses-là vont arriver. » Si tu n'as pas de famille. Alors, dans son cas, à lui, là, voyez-vous, Dieu lui a demandé ça. C'était sûrement un sacrifice. Il était un homme comme un autre être humain normal. Il voulait avoir une épouse, puis il voulait avoir des enfants comme les autres autour de lui. Vous savez, on ne peut pas changer les temps dans lesquels on vit. Hein? Lui, il ne pouvait pas changer les temps dans lesquels il vivait. Et nous, on ne peut pas changer les temps dans lesquels nous vivons. On ne peut rien y faire. Je ne sais pas ce que Dieu va exiger de vous. Ça, je ne sais pas. Je ne sais pas ce qu'il va exiger de moi. Mais je sais qu'on aura des sacrifices à faire. Il y aura des choses qu'on devra laisser derrière. Il y aura des choses qu'on devra abandonner. Il faudra lui faire confiance. Même s'il nous demande de laisser tomber des choses, un projet, des possessions, des relations, des amitiés, des liens avec certaines personnes, parfois, il faut le faire pour protéger la vérité ou protéger notre choix de vivre selon Dieu. Hein?
Le Christ a dit, celui qui ne prend pas sa croix et ne me suit pas, celui qui ne me considère pas plus important que son père, sa mère, ses possessions, ses frères, ses sœurs, ses enfants, n'est pas digne de moi. Alors, voyez-vous, quand on a signé le contrat, on a accepté qu'il n'y avait rien avant Dieu dans notre vie. Alors ça, ça doit rester. On doit être conscient de ça. Mais en même temps, on sait que Dieu va nous donner la force de passer à travers ces choses-là. Dieu sait ce qu'il fait. Nous avons et nous aurons des sacrifices à faire. C'est des tests. Et remarquez bien, c'est contraire à la société autour de nous. Parce que dans la société autour de nous, les gens veulent tout ce qu'ils veulent. Puis ils veulent tout de suite. Même s'ils n'ont pas le moyen pour le faire, ils vont s'endetter pour le faire s'il faut, ou ils vont emprunter de l'argent à des amis, à des parents ou tout ça. Ils veulent ce qu'ils veulent, puis tout de suite. Alors que nous, c'est le contraire. OK? On doit d'abord faire des sacrifices, renoncer à plein de choses, travailler pour Dieu, développer son caractère, nager à contre-courant de la société, et après, Dieu nous garde un avenir extraordinaire. On a donné notre vie au Christ pour qu'il en fasse ce qu'il veut. Ça veut dire que je dois continuer à être disposé à tout abandonner, et je dois continuer à travailler à être le plus proche possible de lui. Et il va me donner la force nécessaire. Si ces conditions-là sont là, il va me donner la force nécessaire. Si je suis prêt à tout abandonner, s'il est le premier dans ma vie, je l'aime de tout mon cœur, de toute ma force. Si je suis proche de lui, que je m'efforce de changer, il va me donner la force nécessaire. Matthieu 19. Regardez votre place dans Jérémie. On va aller dans Matthieu chapitre 19. Et le verset 23. Jésus dit à ses disciples, « Je vous le dis en vérité, un riche entrera difficilement dans le royaume des cieux. Je vous le dis encore, il est plus facile à un chameau de passer par le trou d'une aiguille qu'à un riche d'entrer dans le royaume de Dieu. » Et comme précision ici, du chameau et du trou d'une aiguille, vous avez peut-être déjà appris de quoi il s'agit. Ce n'est pas le trou d'une aiguille en parlant d'une aiguille à coude. C'est que c'est la forme des portes à l'entrée de la ville de Jérusalem, qui était une porte basse, qui était la porte en forme d'aiguille. Alors, il fallait que les chameaux, à ce moment-là, pour entrer, on les faisait se mettre à genoux et ramper à genoux pour entrer à l'intérieur de la ville. Alors, c'était quand même difficile. C'était faisable, mais c'était difficile. Alors, c'est ça le sens d'exemple. Je vous le dis encore, il est plus facile à un chameau de passer par le trou d'une aiguille qu'à un riche d'entrer dans le royaume de Dieu. Les disciples, ayant entendu cela, furent étonnés et dirent, « Qui peut donc être sauvé? » Jésus les regarda et leur dit, « Aux hommes, cela est impossible. » Cela est impossible aux hommes. Comme c'est impossible de renoncer à tout en tant qu'être humain si on n'a pas la force de Dieu. Mais regardez après. Mais à Dieu, tout est possible. Alors, si je suis proche de Dieu et que si le Christ est en moi, tout est possible. Et je peux compter sur Dieu. Une autre leçon importante, troisième leçon, prenez position. Prenez position. Ne restez pas sur la clôture dans aucun des aspects de votre vie. On ne peut pas rester sur la clôture. On ne peut pas appartenir à Dieu dans certains aspects de notre vie puis garder un ou deux aspects qui nous plaisent à côté, même si c'est contraire aux lois de Dieu ou à ce que Dieu nous dit de faire. On ne peut pas faire ça. Il faut choisir. Jérémie puis les autres serviteurs de Dieu ont dû prendre position. On le voit encore vers la fin du ministère de Jérémie. Face au méchant roi Sédécias, le dernier roi de Juda, là, au moment du dernier siège de Jérusalem, là, on a vu Jérémie prendre position encore. Puis, c'était pas facile. On va le voir ensemble. Jérémie 38. Jérémie, chapitre 38. Jérémie, chapitre 38. On va commencer au verset 1. Ici, Shephatia, fils de Matan, Gedalia, fils de Pashur, Jukal, fils de Shelemia, et Pashur, fils de Malkija, entendirent les paroles que Jérémie adressait à tout le peuple en disant, « Ainsi parle l'Éternel, celui qui restera dans cette ville mourra par l'épée. » Ça, c'est le message que Jérémie donnait. Il disait, « Il ne faut pas que vous restiez dans la ville, il faut que vous sortiez. » C'est Dieu qui vous le fait dire. « Celui qui restera dans la ville mourra par l'épée, par la famine ou par la peste. Mais celui qui sortira pour se rendre aux Chaldéens aura la vie sauve. Sa vie sera son butin et il vivra. » Ainsi parle l'Éternel, cette ville sera livrée à l'armée du roi de Babylone qui la prendra. Bon. Alors ça, c'était le message. Dieu avait dit, sortez de la ville, allez vers celui qui vous attaque, et vous aurez la vie sauve. Vous n'aurez pas tous les problèmes qui vont venir. Et regardez le verset 4. Et les chefs dirent au roi, que cet homme soit mis à mort, en parlant de Jérémie, car il décourage les hommes de guerre qui restent dans cette ville, et tout le peuple, en leur tenant de pareils discours. Cet homme ne cherche pas le bien de ce peuple. Il ne veut que son malheur. Le roi Sédécias répondit, voici, il est entre vos mains.
car le roi ne peut rien contre vous. Il était juste le roi, lui. Il ne pouvait rien faire. Mais oui, c'est, déjà, on voit la faiblesse d'un dirigeant ici qui se soumet aux dictats de ceux qui sont sous lui. Alors, ils prirent Jérémie, ils le jetèrent dans la citerne, dans le puits de Malchija, fils du roi, laquelle se trouve dans la cour de la prison. Ils descendirent Jérémie avec des cordes. Il n'y avait point d'eau dans la citerne, dans le puits. Il y avait de la boue. Et Jérémie s'enfonça dans la boue. Encore j'étais en prison. Ce n'était pas la première fois. Encore j'étais en prison, mais cette fois-ci dans un puits. Tout un sacrifice encore. Il n'était pas mort, mais s'il était resté là, il serait mort. Il n'y avait rien à manger. En plus que dans la ville, je vous le dis, à ce moment-là, il y avait déjà la famine là, qui sévissait. Ça avait commencé. Ce n'était pas plaisant, ce n'était pas confortable. Mais Jérémie avait donné sa vie à Dieu pour qu'il en fasse ce qu'il voulait. Rappelez-vous, comme M. Armstrong a fait. Il le dit souvent, « J'ai donné toute ma vie à Dieu pour qu'il en fasse ce qu'il veut. » Même chose, M. Meredith, vous l'avez vu dans un des films de la fête, lorsqu'il raconte un peu sa biographie et qu'il dit, « J'ai donné ma vie à Dieu pour qu'il en fasse ce qu'il veut. » Actuellement, Dieu me laisse être malade, c'est sa décision, je l'en remercie, je lui demande de m'aider à apprendre toutes les leçons que j'ai à apprendre là-dedans. Mais je veux faire la volonté de Dieu. Et c'est la même chose pour tous les baptisés. Mais regardez, Jérémie a été délivré du puits, de la citerne. Qu'est-ce qui est arrivé ensuite? Jérémie 38, verset 13, un peu plus loin. Ils tirèrent Jérémie avec les cordes et le firent monter hors de la citerne. Jérémie resta dans la cour de la prison. Le roi Sédécias envoya chercher Jérémie. Ah, regardons ça. Là, il commence à avoir peur sur l'autre côté. Il dit d'un coup, qu'est-ce qu'il a dit était vrai? Il voulait savoir. Très instable, monsieur. Le roi Sédécias envoya chercher Jérémie le prophète et le fit venir auprès de lui dans la troisième entrée de la maison de l'Éternel. Et le roi dit à Jérémie, « J'ai une chose à te demander. » C'est gentil, hein? C'est lui qui le fait mettre en prison, qui crée plein de problèmes. Puis là, il dit, « Bien, j'aimerais ça te demander quelque chose. Ne me cache rien. » Là, écoutez, mettez-vous à la place de Jérémie, du prophète. Ça fait 40-50 ans qu'il annonce le même message, qu'il en souffre, qu'il se fait mettre en prison, qu'il se fait railler, qu'il se fait mépriser, maltraiter, mettre en prison, qu'il se fait battre. Et là, le même gars, un de ceux qui est responsable de ça, dit, « Bien, j'aimerais ça que tu me tiennes au courant un peu de ce qui se passe, de ce qui va arriver. » Jérémie aurait pu lui dire, « Écoute, mon roi, tu veux que je te donne encore le même message que je te donne depuis 30 ans, ou 20 ans dans ce cas-là, ou 25 ans? La dernière fois, tu m'as fait envoyer dans le puits, et puis si on ne m'en avait pas tiré, je serais mort. » Regardez le verset 15. Jérémie répondit à Sédécias, « Si je te le dis, ne me feras-tu pas mourir? Faut que je te dise le vrai message de Dieu, puis ça sera peut-être pas beau, puis à ce moment-là, tu vas être mécontent, puis tu vas vouloir me tuer. Et si je te donne un conseil, je sais que tu ne m'écouteras pas. » Il n'avait jamais écouté. Donc, sa feuille de route parlait pour lui. OK? Alors, il était hésitant, et ça se comprend. Sédécias était instable, il était faible, il était peureux, il faisait souvent le contraire de ce qu'il avait dit. Il ne prenait pas position, il laissait les choses aller, comme ça allait pouvoir s'arranger, espérait-il. Verset 16. Le roi Sédécias jura secrètement à Jérémie en disant, « L'Éternel est vivant. » C'est toujours dangereux quand quelqu'un parle en secret. Hein? « Dis-le pas, là, mais je vais te dire telle affaire. » Déjà, quand quelqu'un dit ça, tournez-vous de bord. Attendez pas ce qu'il a à dire. C'est déjà un drapeau rouge, là. Le roi Sédécias jura secrètement à Jérémie en disant, « L'Éternel est vivant. » Oui, on parle de Dieu, mais on ne lui obéit pas, puis on ne veut pas faire ce qu'il dit. « L'Éternel est vivant, lui qui nous a donné la vie, ça paraît bien, hein? Je ne te ferai pas mourir et je ne te livrerai pas entre les mains de ces hommes qui en veulent à ta vie. » Alors, Jérémie décide de lui répéter ce qu'il lui a dit depuis plusieurs années. Jérémie était consistant. Versets 17 et 18. Jérémie dit alors à Sédécias, « Ainsi parle l'Éternel, le Dieu des armées, le Dieu d'Israël. Si tu vas te rendre au chef du roi de Babylone, tu auras la vie sauve, et cette ville ne sera pas brûlée par le feu. Tu vivras, toi et ta maison. Mais si tu ne te rends pas au chef du roi de Babylone, cette ville sera livrée aux mains des Chaldéens qui la brûleront par le feu, et toi, tu n'échapperas pas de leurs mains. » Autrement dit, Jérémie a dit, « Voici comment sortir de la situation, mon roi. Livrez-vous au roi de Babylone et vous allez avoir la vie sauve. Ça va régler le problème. C'est ce que Dieu m'a dit de te dire. Et même, tu vas prospérer. » Verset 19. Le roi Sédécias dit à Jérémie, « Je crains les Juifs. » Mais vous, il n'a pas dit, « Ah, merci de m'avoir dit ce que Dieu t'a révélé pour moi. »
Il dit, « J'ai peur des Juifs qui ont passé aux Chaldéens, parce qu'il y avait certains Juifs de la ville qui avaient traversé déjà à l'armée adverse. » Il dit, « Je crains ce que les Juifs qui sont passés aux Chaldéens, je crains qu'on ne me livre entre leurs mains et qu'ils ne m'outragent. Ils vont rire de moi. Ils vont me mépriser. Voyez-vous, le roi solide. Non, j'ai peur de ce que les Juifs vont penser. J'ai peur de ce que les Juifs vont dire. J'ai peur de ce que les Juifs vont faire. » Qu'est-ce qu'il a fait, lui? Il a resté sa clôture. Il a laissé les choses telles quelles. Qu'est-ce qu'il en est de vous et de moi? Est-ce qu'il y a des aspects de notre vie où nous sommes totalement engagés à changer, à vivre selon Dieu, et en même temps, d'autres aspects de notre vie où on reste sur la clôture? On change un petit peu, ou pas tout à fait, ou pas tout de suite. On attend. Est-ce qu'il y a des aspects de notre vie qui sont encore comme ça? Nous n'avons pas le choix. Nous n'aurons pas le choix. Je mets les deux. On n'a pas le choix et on n'aura pas le choix. Il faut prendre un côté ou aller à Dieu en tout ou prendre l'autre côté. Parce que de rester sur la clôture, c'est de ne pas aller à Dieu en toute chose. C'est déjà de décider. Mettons-les comme ça. Il faut prendre un côté ou l'autre et que ça soit clair. On peut demander à Dieu sa force, sa sagesse, son esprit pour déterminer la décision. Parce qu'écoutez, le fait de ne pas prendre de décision, c'est déjà de décider. Vous pouvez l'écrire, ça, c'est une phrase importante. Le fait de ne pas prendre de décision, c'est déjà de décider de ne pas suivre Dieu totalement. Si je ne prends pas la décision d'enlever tout ce que je dois enlever de ma vie, j'ai autrement dit décidé de ne pas le faire. C'est ce qu'a fait Sédécias. Et Jérémie a même supplié Sédécias de prendre position, de faire le bon choix. Regardez le verset 22. Verset 22. « Toutes les femmes qui restent dans la maison du roi de Juda seront amenées au chef du roi de Babylone et elles diront, « Tu as été trompé, dominé par ceux qui t'annonçaient la paix. Et quand tes pieds sont enfoncés dans la boue, ils se retirent. Toutes les femmes et les enfants seront menés aux Chaldéens et toi, tu n'échapperas pas à leurs mains. Tu seras saisi par la main du roi de Babylone et cette ville sera brûlée. » au feu. Autrement dit, Jérémie dit à Sédécias, il dit, si tu ne prends pas position, là, si tu ne prends pas une décision, tu as une décision à faire, tu as un choix à faire, si tu ne le fais pas, il va arriver une conséquence terrible, tu vas être amené en captivité, tu vas être mis dans des conditions horribles, et même les femmes vont rire de toi. Même les femmes vont rire de toi. C'est ce qu'il leur dit ici. Alors, on sait la décision qu'il n'a pas prise, dans le fond, qui était le fait de prendre une décision. Il a laissé aller les choses et la ville a été prise. Vous savez, le temps approche où on va devoir prendre position. On n'aura pas le choix. Mais moi, je vous dis une chose. Attendre de prendre position à la dernière limite, c'est un risque énorme. C'est un risque énorme. Parce qu'à ce rendu-là, on n'aura peut-être pas la force de le faire. Parce qu'on n'aura pas eu l'habitude de le faire. Parce qu'on aura gardé chez nous des choses qu'on ne devait pas garder. Aussi simple que ça. Pour être capable de décider quand le temps va venir, il faut avoir décidé d'avance. C'est pour ça que c'est maintenant le temps de faire nos choix. Faisons-le maintenant. Ce que nous savons devoir faire, on le sait quoi faire. On ne peut pas remettre à plus tard. Ou si nous restons sur la clôture, ou si nous ne faisons que parler, on n'avance à rien et on ne sera pas prêt. Il faut considérer notre appel comme sérieux, un des premiers points que je vous ai donné. Être prêt à sacrifier des choses, tout s'il le faut. Il faut prendre position. Une autre leçon rapidement ici, c'est qu'il faut s'aimer les uns les autres. Il faut apprendre à s'aimer les uns les autres et à compter les uns sur les autres pour s'entraider. Écoutez, vous pourrez lire vous-même dans Jérémie 38, versets 6 à 13, quand Jérémie a été sorti du puits. C'est un des serviteurs du roi, un eunuque éthiopien appelé Ebed-Mélec, qui est allé le sortir. OK? Pourquoi il est allé le sortir? Il avait entendu Jérémie. Il connaissait Jérémie. Jérémie l'avait sans doute impressionné de quelque façon que ce soit, et Dieu s'est servi de cet étranger pour délivrer son serviteur d'une position impossible. Vous ne savez pas d'où va venir votre secours quand vous allez être dans des conditions effroyables à un moment donné, où il n'y a pas d'issue. Vous ne savez pas d'où va venir votre secours, mais votre secours va venir de Dieu par des personnes parfois tout à fait inattendues. Et bien sûr, dans l'Église, il faudra apprendre à s'aider, à s'encourager, à être vraiment
proches les uns des autres, à avoir l'amour fraternel, l'amour philadelphien, comme on a entendu à la fête encore cette année, un amour sincère, un amour dans l'unité de l'Église, dans l'harmonie de l'Église. Pourquoi que l'amour est aussi important? Parce que c'est écrit qu'au temps de la fin, l'amour se refroidira. Et ça, ça n'a pas été écrit pour le monde, ça a été écrit pour l'Église. Et comme il y a un risque que l'amour se refroidisse, le vrai amour, pas d'en parler, mais d'être vraiment proche de cœur les uns des autres, pas de se critiquer ou de s'accuser et de chuchoter dans les corridors, mais de s'approcher honnêtement. Et s'il y a des choses à pardonner, de se pardonner, de passer par-dessus, de s'aimer, de s'entraider, de s'aider, c'est à cette condition-là que plusieurs vont pouvoir s'en sortir en s'aidant les uns les autres quand les temps vont être plus difficiles. Malachie chapitre 3. À la toute fin de l'Ancien Testament, Malachie chapitre 3, un passage superbe. Malachie chapitre 3 et le verset 16. « Alors ceux qui craignent l'Éternel se parlèrent l'un à l'autre. » Voyez-vous, on peut se parler, tout le monde se parle dans l'Église. Ce n'est pas quelques-uns parlent seulement à quelques-uns ou ainsi de suite, c'est tout le monde se parle dans l'Église. On s'occupe du plus petit, du plus âgé, du plus jeune, des enfants, c'est la famille de Dieu. Alors, ceux qui craignent l'Éternel se parlèrent l'un à l'autre. L'Éternel fut attentif et il écouta. Et un livre de souvenirs fut écrit devant lui pour ceux qui craignent l'Éternel et pour ceux qui honorent son nom. Là, on parle ici de gens qui s'aiment, qui aiment être ensemble, à se parler, à s'encourager, à fraterniser, à se faire du bien. Et il dit, « Ils seront à moi, dit l'Éternel des armées, ils m'appartiendront au jour que je prépare. J'aurai compassion d'eux comme un homme a compassion de son fils qui le sert. Et vous verrez de nouveau la différence entre le juste et le méchant, entre celui qui sert Dieu et celui qui ne le sert pas. » Ça va devenir aussi clair que ça à un moment donné. Et Dieu va pourvoir les moyens d'en sortir et de passer au travers des crises à ceux qui sont proches de lui et à ceux qui sont proches les uns des autres, comme des enfants dans une famille, des enfants qui s'aiment. Il faut déjà développer ces choses-là avant que les temps plus difficiles arrivent sur nous. C'est le temps que nous avons pour le faire. Et comme dernier point, il faut mettre notre confiance en Dieu, mettre notre confiance totale en Dieu, comme Jérémie a fait. Jérémie a vécu à une époque de très grands troubles. Il ne savait pas ce que le lendemain lui réservait. Mais il a fait confiance à Dieu. De nous-mêmes, on n'a pas de force. C'est impossible. Jérémie 17. Et le verset 1. Le péché de Juda est écrit avec un burin de fer. Tellement le péché était ancré dans ces gens-là, avec une pointe de diamant. Il est gravé sur la table de leur cœur et sur les cornes de leur autel. Versets 5 et 6. « Maudit soit l'homme qui se confie dans l'homme. » On n'a pas à se confier dans l'homme ni à nous-mêmes. « Qui prend la chair pour son appui et qui détourne son cœur de l'Éternel. Il est comme un misérable dans le désert. » Il ne voit pas arriver le bonheur. Il habite dans les lieux brûlés du désert, une terre salée et sans habitants. De nous-mêmes, on ne peut rien. C'est impossible d'éviter les difficultés et de passer à travers. C'est Dieu qui est notre délivrance. C'est celui qui va nous permettre de passer à travers. Mais gardez par contre le verset 7 et 8. C'est tellement encourageant. « Béni soit l'homme qui se confie dans l'Éternel et dont le Seigneur est l'espérance. Il est comment? Il est comme un arbre planté près des eaux et qui étend ses racines vers le courant. Il n'aperçoit pas venir la chaleur quand elle vient. » Et son feuillage reste vert. Pourquoi? Parce qu'il est proche de Dieu. Il est abreuvé à la source même de la vie du Saint-Esprit de Dieu. Dans l'année de la sécheresse, il n'y a point de crainte et il ne cesse de porter du fruit. Quel encouragement extraordinaire! Et ça va devenir un facteur essentiel parce que nous savons ce qui vient. Il nous faudra avoir de l'huile dans nos lampes en grande quantité, en très grande quantité pour être prêts. Dieu est prêt à nous aider à passer à travers tout ce que nous aurons à passer à travers. C'est une promesse. C'est des promesses fantastiques que Dieu fait. Un jour, on regardera tout cela comme étant en arrière de nous, comme étant chose du passé. À ce moment-là, on sera entré dans ce que le Christ appelle la joie de notre Maître. Et on aura la joie. On va se réjouir même des sacrifices qu'on aura faits, comme une femme qui a enfanté.
qui est contente même des douleurs qu'elle a eues pour l'enfantement parce que le bébé est là et il y a une nouvelle vie. Et il y a quelque chose de merveilleux qui s'est produit. On va se réjouir même des épreuves que nous aurons vécues, parce que les épreuves sont nécessaires, je vous en parlerai bientôt. Et elles sont très utiles. Et on va se réjouir d'avoir fidèlement servi Dieu du mieux qu'on pouvait dans tous les aspects de notre vie. Vous savez, je vous donne en terminant deux promesses extraordinaires de Dieu dans le contexte. Jérémie a passé au travers, nous autres si on peut passer au travers, par la force de Dieu. Dieu dit, jamais il ne permettra que nous soyons éprouvés au-delà de ce que nous pouvons supporter. Et Dieu qui est fidèle va nous donner la voie pour en sortir, comme c'est marqué dans Corinthiens. Une autre promesse, c'est à Dieu, tout est possible. À Dieu, tout est possible. Et quand on lui appartient, on fait partie du possible, parce qu'il veut nous amener à terme pour notre bonheur. Nous vivons en des temps comme ceux où Jérémie a vécu. Nous avons la même mission qu'il avait. Nous avons vu aujourd'hui comment les choses étaient pour Jérémie. Et comment il a persévéré, comment Jérémie a réussi en son temps de la fin, parce que c'était le temps de la fin pour lui. Même chose que c'est pour nous. Vous savez, un jour, Jérémie vous demandera peut-être de lui raconter comment c'était pour vous au temps de la fin. Et il va peut-être vous demander de lui raconter comment vous avez persévéré et réussi.